Et bonjour les amis, alors on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus de ce mardi 21 juillet 2020. Donc tout d'abord, alors très important, je tenais à vous dire que j'ai créé une autre chaîne PMU, donc qui sera en description sous la vidéo, en info et en fin de vidéo. Donc c'est les jeux simples du PMU, donc il n'y aura pas de 2 sur 4, ni multi, ni couplet, donc que le jeu simple, donc un cheval sur chaque course. Donc je prends toutes les réunions, je fais une vidéo par réunion et toutes les courses de chaque réunion et je vous mets un cheval. Donc bien sûr, ne jouez pas toutes les courses parce que voilà, donc c'est des propositions de chevaux qui me semblent qui peuvent rentrer. Donc voilà, donc méfiance quand même sur ces jeux puisque souvent c'est compliqué. Donc voilà, à prendre avec des pincettes bien entendu, quand vous voulez jouer. Donc ne misez pas énormément, jouez peu, mais voilà. Donc je vous propose cette chaîne-là, c'est une nouvelle chaîne YouTube, on est déjà 10 abonnés, donc n'hésitez pas à aller continuer à faire monter les abonnés. Donc il y aura un post également, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, j'en ai posté un hier dans la section communauté, donc n'hésitez pas à y aller, ce sera en description également. En description également, vous aurez ma chaîne de jeux vidéo, donc n'hésitez pas à y aller, et mon compte Utip. Donc voilà. Donc, on y va pour le pronostic Quinté Plus de ce mardi 21 juillet. Donc, ce sera la R1C1 à 13h50 à Vichy. Ce sera le prix Hubert de Cateux. Ce sera du plat sur 2400 mètres et il y aura 16 partants. Mon niveau de... Et un homme partant, le 13. Mon niveau de confiance est de 3 sur 5 pour cette course-là. Mon favori sera le 9, Moko, monté par Crastus. Ma base sera le 6, Sécu, monté par Barzalona. Mes outsiders seront le 11, Rusini, monté par Bachelot. Le 10, Bleu Sky, monté par Maillot. Et le 2, Wood City, monté par Mandel. Mon jeu simple sera donc le 9. Mon second favori sera le 6. Mon tocard sera le 11. Et mon regret sera le 5 Paper Bird, monté par Saadi. Pour ce qui est de mon conseil de jeu, mon 2 sur 4 sera le 9 et le 6. Mon 2 sur 4 combiné sera le 9, 6, 4. Mon couplet combiné sera le 9, 6, 4, 11. Mon multi en 7 en champ total sera le 9, le 6, le 4, le 11, le 7 et le 10. Pour ce qui est de mon tick 3, ce sera le 9, le 6, le 4, le 11 et le 7. Pour ce qui est de mon quinté plus, un champ réduit que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, mais jouez-le modérément, il est assez élevé à mise. Ce sera le 9, le 6, le 4 dans ma base. Et le 11, 7, 10, 1, 2 et 5 dans mon champ réduit. Pour ce qui est de mon jeu en 8 chevaux, pour le tiercé, quarté, quinté combiné en 8 que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, ce sera le 9, le 6, le 4, le 11, le 7, le 10, le 1 et le 2. Donc voilà les amis pour le pronostic Quinté Plus de ce mardi 21 juillet. Alors n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube secondaire sur les pronostics sur le PMU qui sera en description, en info et en fin de vidéo et en post dans la section communauté. Donc je vous attends là-bas. Voilà déjà des courses de postées pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ensuite, ma chaîne YouTube sur les jeux vidéo en description sous la vidéo et mon compte Utip. Le pronostic écrit du Quinté Plus sera en info et en fin de vidéo. Et puis moi, j'ai plus pour ce mardi 21 juillet, bien sûr. Puis moi, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. On croise les doigts pour les courses et on se revoit tout à l'heure. Bye les amis!